Garo, viens là. Sois le bienvenu. Merci, bébé. Ouh, t'ai-je dit que tu étais la merveilleuse et la beauté qui m'a manqué. Tu m'as vraiment manqué. Tu m'as également manqué. Vraiment? Depuis que t'es partie, aucun homme ne m'a attirée. Ah, vraiment? En fait, la plupart de mes anciens clients sont fâchés contre moi. À cause de toi. Bah, mon cœur, t'as pas besoin d'eux, ok? Bien sûr, t'as pas besoin d'eux. Je m'occupe bien de toi. Oui, tu le fais. Regarde où tu vis actuellement. Et je t'envoie constamment de l'argent pour prendre soin de toi, donc t'as pas besoin d'eux. Tu m'as tellement manqué. Également. Je voulais te demander un truc vraiment important. Ok. Tes copines. As-tu parlé à l'une d'elles du business que nous faisons? Genre des paquets que tu reçois et que tu livres demain? Non! Non, non, personne ne sait. T'en es sûr? Même pas la plus proche de moi. Je savais que je faisais le bon choix en te choisissant pour ce business. Pourquoi? Pourquoi? Toi, tu es mature. Tu sais que je surveille tes arrières. Carole, viens haut, sors de là. Qu'est-ce qu'elle a? Je reviens. Vas-y, vas-y, vas-y. Et je te ferai à manger. Ouais, bien sûr. Ouf. Hey! Caro doit écouter ça. Caro! Hey! Bébé! Caro! Viens, 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 viens. Caro! Caro, viens là. Caro, viens, 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 Boss Lady. Pourquoi es-tu si excitée? Ah, bébé, assis-toi. Boss Lady. De quoi s'agit-il? Notre bailleresse. Qui a-t-il? Quincy. Oya, dis-lui. Eh bien, tu connais le gouverneur de l'État d'Enugu. Chef Alphonsus? Oui, chef Alphonsus. Il veut battre campagne. Et il a invité quelques politiciens pour... tu sais, partager ses intentions. Et il m'a demandé de préparer des fessiers, des seins, de préparer de belles filles sexy et présentables qui leur tiendront compagnie. Ce n'est pas la partie qui nous intéresse. La partie que vous attendez toutes, ce sont les modalités qui s'élèvent à 120 000. Waouh! Waouh! Ok. Ok. Alors là, ça devient intéressant. Oh oui, ça l'est. Mais chacune des filles me donnera 20 000 pour la connexion. Ce n'est pas un problème. Et si l'un des hommes ressent l'envie de, tu sais, passer la nuit, il va également bénir la fille pleinement avec une grosse somme d'argent. Ça, c'est une connexion à ne pas rater. Un très grand contrat. Ça l'est. Ça l'est, je suis partante. On a besoin de 6 femmes propres, bonnes, présentables, sexy, fabuleuses, je ne sais quoi d'autre. 6. Parce que ces hommes sont également 6. T'inquiète, ça ira. Toi, moi, toi. Bridget, Cynthia, et Boubé. Ok, ouais. Alors vous êtes partante. À 100%. Donc demain, c'est le grand jour, à 16h. Pas d'heure d'Afrique. Je vais passer vous prendre. Super. Boss Lady. Que veulent les filles? Les filles veulent du fric. On veut du cash. Du cash. Du cash et leur vie. Queen bébé. Queen pour Quincy. Mais que veulent les filles? Du fric. Bon payeur. On doit cartonner, ma belle.
Ouais, ça doit faire fort. Bébé, t'es sexy. Regarde-toi. Merci bébé. Ah bah, tu n'as pas encore fini. J'ai presque fini. Mes chaussures sont en bas, je vais les prendre. Caro, dépêche-toi, voyons. Quincy vient d'appeler. Oh. Que la fête a déjà commencé. Et elle sera là d'ici 30 minutes. Yeah. Oui, voyons. Bridget et Cynthia n'ont pas encore fini. Vite. Et Boubé. C'est elle que j'essaye d'appeler. On se dépêche parce que... on n'a pas le temps. Pas du tout. Oh. Caro? Allô? Allô, Caro? Tu es censée être ici maintenant. Oh, je suis désolée, ok? J'attends que mes parents s'en aillent. Ils doivent aller à l'église, mais ils perdent du temps pour rien. Caro, s'il te plaît, donne-moi 20 minutes et je serai là. Dépêche-toi. Ok, je te vois bientôt. Ok, bye. Qu'y a-t-il? Bébé, tu sais que son père est un pasteur, donc elle doit attendre qu'il sorte pour qu'elle puisse venir. Je te reviens. D'accord, bébé, dépêche. Ok. Nous devons nous dépêcher, on va rapidement y aller. Le programme d'aujourd'hui est vraiment béni. Ce sera simplement merveilleux. Oui. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne vient pas à la prière avec nous. Eh, Boubé. Eh, Boubé. Aïe. Ah. Ne vas-tu pas à la prière de la semaine? Aïe! Maman, j'ai mal au bas-ventre. Écoute, Eboubé, je n'adhère pas du tout à toutes ces excuses farfelues que tu n'arrêtes pas de donner lorsqu'il y a prière de la semaine. Si tu as des problèmes de santé, c'est à l'église que tu trouveras certainement ta délivrance. Papa, s'il te plaît, laisse-la. Ces choses sont censées arriver à une femme. Qu'en est-il de Shilira? Où est-elle? Eh bien, je pense qu'elle est allée chez Ngozika. Toutes les deux, elles partiront de là-bas pour l'église. Aïe! Eh, Boubé. Maman. Il faut prier. Tu comprends? Il faut prier, hein? Et repose-toi. Je te verrai à mon retour. Aïe! Pourquoi tu es encore fâché? Tu sais que je n'aurai pas de rapport avec qui que ce soit. J'ai arrêté de vivre comme ça depuis longtemps. Dis-moi donc pourquoi tu y vas? Tu y vas pourquoi? Pour de l'argent? Caro, je te donne pas assez d'argent pour prendre soin de toi. Je le fais pas. Une meuf n'a jamais assez d'argent. Et mes amis ont besoin que je reste motivée. Je serai là avant 18h. Je te le promets.
S'il te plaît. Tu sais toujours comment me convaincre. Hey, écoute, c'est bon, je vais te laisser partir, mais que ce soit la première et la dernière fois que tu ailles dans des soirées pareilles. Laisse ce genre de choses à Cynthia et ses compagnies, d'accord? T'es mon bébé, dont tu t'occupes de nos affaires, d'accord? Ok. Je peux y aller. Oh, merci. Ouf. Quoi? Tu es un homme chanceux, tu sais. Oui, tu l'es. Tu l'es définitivement. Salut les filles. Salut Eboubé. Eboubé, tu es si ravissante. Merci. Ah. Attends. Ton père t'a laissé sortir? Je suis sûre qu'il t'a pas reconnue dans cette tenue. Bridget, en tant qu'enfant de Dieu, je me dois d'être ravissante. Oui, c'est ce que dit la Bible. Oh, Sharon, ça fait un bail. Ça fait un bail. C'est super de te revoir. Plaisir partagé. Très sexy, ma chère. Tu m'as manqué. Tu es très sexy. Je reviens. Je vais au petit coin. Ok. Ah, regardez le derrière. Hey, attendez. Je vais confronter cette fille. Je ne peux plus continuer comme ça. Je déteste faire semblant. Pardon. S'il te plaît, je te supplie. N'ose même pas. Tu sais, aujourd'hui, c'est un bon jour. Ne le gâche pas, s'il te plaît. Je t'en prie, tu peux le faire ailleurs. Un autre jour, une autre fois. Pas aujourd'hui. Ne commence pas. Pas aujourd'hui. Arrange ta tête. Une piton. Tu t'énerves pour ce petit truc. Laisse-moi t'aider. Oui. Pardon, aujourd'hui est un jour spécial. Juste un petit truc comme ça. Prête? Oui, bébé. Caro. Magnifique. Merci. Regardez mes bébés. Êtes-vous prête pour la fête? Oh, bébé, bien sûr que nous le sommes. Que veulent les filles? Les filles veulent se faire du fric. Qu'avez-vous dit? Les filles veulent se faire du fric. On va chercher cet argent. Oh. C'est logique. On y va. Avance. Quoi? Allez, arrête un peu. Frère Arabe. Hey, comment tu vas? Je vais bien, merci. Elle n'est pas à la maison. Ah, oh, vraiment? Oui, elle n'y était pas. La porte était fermée de l'intérieur. Où peut-elle bien être maintenant? Je ne sais pas. Je l'ai laissée à la maison, pensant qu'on se retrouverait à l'église plus tard. Mais je pense qu'elle soit allée à l'église. L'as-tu appelée? Oh oui, je l'ai fait, je l'ai appelée. Mais, que faire maintenant? Ok. Écoute, quand elle va rentrer, dis-lui juste de m'appeler, ou toi tu m'appelles et moi je la rappellerai, d'accord? Tu as toujours mon numéro, n'est-ce pas? Oui. Ah, donc, lorsqu'elle sera de retour, tu me le fais savoir pour que je l'appelle, d'accord? Ok. Eh bien, merci. Merci. Prends ceci. Oh tiens. Non, pas besoin de faire ça. Mais non, allez, tiens. Merci. Je t'en prie. Frère Arabe, merci beaucoup pour l'argent. Je t'en prie. Je serai à la maison. C'est bon. D'accord. Okay, je t'appellerai. C'est bien. J'attends ton appel. Ok. D'accord. Au revoir. Bye. Tous ces politiciens?
Quand je pense que j'ai connu cet homme avant qu'il ne devienne politicien, je l'ai connu quand il était encore un affamé. Il avait l'habitude de venir voir mon père. Tout le temps, il lui disait « Pasteur, prie pour moi pour que je gagne les élections » et autres. Mais non, regardez. C'est pour ça qu'il s'entretue durant les élections. Mais je t'assure, parce que c'est clairement pas les prières. Quelles prières? Est-ce que ça compte vraiment? L'argent résout tout dans la vie. Ça importe peu la provenance de l'argent. Oui, allô, Tiff. Oui, monsieur, nous sommes là. Oui, toutes les filles. Les politiciens sont vraiment mauvais. Ok, monsieur, on patiente. De toute façon. Comment ça, ça ne compte pas? Le moindre de ces sous provient sûrement d'un truc très louche. Mais oui. Et si ça ne dépendait que de moi, je vous assure, j'aurais demandé une enquête. Le pire, c'est qu'il n'a rien donné à mon père. Salut, charmante dame. Salut. Bonsoir et bienvenue dans mon humble demeure. Bonsoir. Oh oui, Merci. Oui, je peux vous assurer que vous allez vraiment vous amuser toute cette nuit. Quincy? Oui. Approche. Dès que nous serons prêts, Quincy viendra vous chercher. Ok. D'accord? Hé, je t'ai dit qu'il ne me reconnaîtra pas, n'est-ce pas? Tais-toi. Salut! Chef! Président! Merci, chef. Ouais. Oh, merci. Président. Oui. J'aimerais vous remercier, monsieur. Vous avez été serviable à notre grand parti. J'aimerais vous remercier pour votre magnanimité. Et vous remercier pour la solidarité. Et par-dessus tout, j'aimerais vous remercier pour vos résolutions et promesses de me soutenir et de faire de moi votre candidat pour la Chambre des députés. Je voudrais vous dire merci. Merci et encore okay, merci. OK, il n'y a pas de quoi. Et spécialement où la réunion est terminée, je vous ai en effet fait une promesse que je devais vous inviter à une incroyable fête ce soir. Wow! Et maintenant, l'heure est arrivée. Là dehors se trouvent de très belles et charmantes dames. Elles sont là pour vous. Président. Oh oui, elles sont là pour vous. Président. Oh oui, cette nuit c'est la bonne. S'il vous plaît, sentez-vous libre. Et faites votre choix. Parlez avec elles, elles sont là pour vous. Alors tout est accompli. Ce qui reste maintenant, c'est que vous vous amusez, ok? Ok, président. Oh, Quincy, je t'en prie, fais venir les filles. D'accord. Cette nuit c'est la bonne. Allez, amusez-vous. Oui. Solidarité pour toujours. Solidarité pour toujours. Solidarité pour toujours. Notre parti prospère. Hip, hip, hip. Hourra! Ouais. Je vous en prie, prenez place. Ok, merci, chef. Coucou, les filles. On y va. Ok. On y va. Oh, les voilà. Elles arrivent. Waouh. S'il vous plaît. Comme je l'ai déjà dit, elles sont toutes là pour votre plaisir. Salut, monsieur. Allez-y. Choisissez, faites votre choix. Salut. Faites votre choix. Je vous en prie, asseyez-vous là. Choisissez. Eh bien, même deux pour un, c'est bon. Deux pour un, c'est bon. Place. Il y a de la place. Venez vous asseoir ici. Soyez la bienvenue. Merci. Très bien. Ne sont-elles pas jolies? Oui, elles le sont. Elles le sont. DJ, s'il te plaît, sois prêt à nous balancer de la musique d'ici peu, d'accord? Ok. Monsieur le Président, permettez-moi de vous présenter les filles. D'accord. Là-bas au fond, c'est Eboubé.
Carol, Bridget, Sharon et Cynthia. Une fois de plus, vous êtes la bienvenue. Merci. Oui, vous allez vous amuser avec nous. DJ, veux-tu, s'il te plaît, nous envoyer de la musique? I met this girl, Insta. She was looking so gorgeous. Can I be your Insta? All I want is true love. I know one dark. I go make me shed. I know one dark. You know, I go make me regret. She said she want me, want me, want me. I swear, people give me good love. You know, I love you, love you, love you. I'm all the people know they fall for me. Oh, God, it is you that you need a boss, my friend. And I know this is the girl. I could do anything, I can keep on your sake, even as you go to. So, if you love me so bad, I will take it in me and you, and everything can be done. Oh, yeah. Make you love me so bad. I will take it in me and you, and everything can be done. Love me fine now. She's loving us. 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 She's loving us.
Allez-y. Mon Dieu. Hey. S'il vous plaît. Voilà les toilettes. Ah, ok. Ah, excusez-moi. Hey. Tu Baby. Vois, c'est très joli. Hey. J'aimerais me coucher sous ce genre de lit. T'aimes trop le lit, espèce de pute. Hey. C'est bon, mesdames. Ok, j'y vais en premier. Ok. Mon Dieu. C'est bien. C'est du bon. Le lit a une chaise. Ouais. Et j'aime cet endroit. J'y vais. Oui, vas-y. Hey! J'en reviens. Ok. Regarde la maison. Écoute sa voix, je reviens. Ah, laisse celle-là. Comportement. On dirait que... Ma belle, ma puce, qu'est-ce qu'on dit? T'es à Prestora? Tu étais en poste? L'argent est bien haut. Si tu vois où nous sommes. When I did you
Joy. Monsieur. Tu étais censé être avec les filles en bas. Désolée, monsieur, je suis venue vérifier les toilettes et je l'ai fait quand elles sont parties. Donc je suis venue vérifier avant que vous ne les utilisiez. Mais je ne vais pas utiliser les toilettes là tout de suite. Je veux juste prendre quelques documents pour le conseiller. Je peux quand même vérifier. Si tu le veux. Ah. Joy. Monsieur. Joy, viens ici. Uche. Uche. Monsieur. Joy. Monsieur. Va en bas et demande à Quincy de venir avec les trois femmes qui sont venues dans ma chambre. Dépêche-toi. Uche. Monsieur. Il y a un problème. Lequel, monsieur? Mon argent a disparu. Mon argent a disparu. Comment ces femmes possible, sont monsieur? Venues ici voler mon argent. Maintenant, écoute, dès qu'elles entrent, fouille leur sac. D'accord, monsieur. Allez, avance, avance. Uche, dépêche-toi. S'il vous plaît, donnez-moi mais mon monsieur, sac. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu les fermes. Alors, vous pouvez vraiment me faire ça? Faire? Non, vous pouvez vraiment me faire quoi? Ça? Vous avez volé mon argent. Hey! Vas-y doucement, voyons. N'abîme pas, mais... Tu la fermes. Uche. Oui, monsieur. Assure-toi que personne ne parte d'ici. Assure-toi que personne ne sorte jusqu'à ce que je revienne, est-ce clair? D'accord, monsieur. Vous ferez mon deuxième visage si je ne retrouve pas mon argent. C'est quoi ces bêtises? Oh, toi, la ferme! Hey! C'est quoi ça? Yeah. Allez, prenez vos sacs. Dépêchez-vous, prenez vos sacs. Calme-toi, voyons. Hé, toi, viens par ici. Hé, toi, viens par ici. Allez, place-toi ici. Stop. Président, vraiment? Ça va? Tout va bien. Vraiment? Les filles, j'aimerais que vous veniez avec moi. Et surtout, venez avec vos sacs. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. T'es sûr que tout va bien? Rassurez-vous, tout va bien. Surtout, ne vous en faites pas. S'il vous plaît, venez avec moi.
T'es sûr? On y va. Il y a sûrement quelque chose. Je pense vraiment qu'un truc s'est passé. Allô? Comment tu vas, frère? Ouais. Oublie ça. Je pense vraiment qu'il y a un truc qui ne va pas. Il a certainement raison. Excuse-moi. Ok, d'accord. Qu'est-ce que les prostituées n'ont pas encore vu? Tu n'as encore rien vu. Tais-toi. Vous êtes venu vous amuser ou vous êtes venu voler? Tu verras bien si on se croise dehors. Tu verras. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Mesdames, je suis désolé. Vous devez nous remettre vos sacs et vider le contenu sur le lit. Tout de suite. Ah, pourquoi? Pourquoi? Et surtout, dépêchez-vous. Et si on ne trouve absolument rien, j'ai peur que vous ne rentriez nus. Hein? Pour qu'on puisse complètement vous fouiller. Oui, vous m'avez bien entendu. Toutes nues? Hein? Oh oui, vous m'avez bien entendu. Ha! Qu'est-ce que vous aurez bien? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est ça. Hein? C'est à moi, ça. Hein? Où est-ce que tu as pris ça? C'est mon Alors sac. Alors tu as volé mon argent, c'est ça? C'est mon sac. Non, mais est-ce que tu as la fermé? Je ne l'ai pas volé. Comment as-tu eu cet argent? Comment est-ce que tu as eu cet argent? Je ne l'ai pas volé. Oh, vas-y, ferme-la. Et Boubé, pourquoi? Toi, espèce de criminel. Je ne l'ai pas volé, je vous assure. Sale criminel. Je n'ai jamais vu des dollars auparavant. Maintenant, écoute-moi bien. Comment ça s'est trouvé dans ton sac? Quincy, maintenant, écoute-moi. Je vais m'occuper de toutes tes amies. Pas seulement elles. Je vais toutes les faire enfermer. Je vais leur faire regretter tous ces actes. Je vais m'assurer qu'elles souffrent avant que je ne les libère. Vous apprendrez une leçon. Je vais m'assurer que vous souffrez. Avant de vous relâcher. Sale criminel. Je n'ai pas volé. Non, mais tu vas leur fermer. Laissez-moi plus de dire un mot. Joy. Monsieur. Amène-les toutes en bas sur le champ. Je n'ai pas volé cet argent. Tu vas fermer ta gueule, avance. Ferme ta bouche. Que s'est-il passé? Calme-toi. Suis-les. Avance. Tu penses pouvoir me berner, c'est ça? Allez, tiens ton sac. Sors. Avance, sors. Allez. C'est fait, monsieur. C'est votre argent, monsieur. Allez-y. Allez-y. Faites attention, voyons. Ah, je vous dis que ce n'est pas moi. Je n'ai pas pris cet argent. Mais je vous dis que je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas pris. Ne me touche pas. Président, je ne pense pas que les enfermer serait nécessaire. On peut trouver un terrain d'entente. S'il vous plaît. Quincy, qu'est-ce que tu insinues? Est-ce que tu essaies de justifier ce qu'elles ont fait? Non. Non, tu es en train de dire qu'elles ne devraient pas être punies après qu'elles aient volé mon argent. Quincy, ne me donne pas l'impression que tu es complice de tout ceci. Monsieur le Président, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Ok, regardez ça sous cet angle. Dieu merci, les articles ont été retrouvés sur l'une d'entre elles. Laissez les autres s'en aller.
Pourquoi toutes les enfermer? Chief, rappelez-vous que vous vous présentez comme président de la Chambre des députés. Et ces filles que vous voyez ont de grandes connexions. Elles vont vous causer des problèmes demain si vous les maltraitez. S'il vous plaît, revoyez cette décision. S'il vous plaît, je vous en supplie, pardon. Quincy, allez-vous-en. Vous toutes, allez-vous-en! Dehors! Avance. Vous n'avez même pas honte. Des pickpockets comme ça. Allez. Oui, viens. Ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas pris. Que tout le monde se calme. Lève-toi. Je suis debout. Allô, bébé? Ouais, je sais. Mais tu devrais être à la maison à 7h, non? Oui, mais il y a un problème ici. L'une d'entre nous a été surprise avec les bijoux du chef. Et le chef nous conduit toutes au poste de police. Pour nous enfermer, peux-tu venir me chercher au poste de police centrale, s'il te plaît? Tu veux que je vienne au poste de police pour payer ta caution? Oh, bébé... Tu sais que je peux pas faire ça. Tu le sais, je peux pas arriver là-bas. Écoute-moi, trouve quelqu'un pour venir te faire sortir, toi et les filles. Tu connais le genre de boulot que je fais. Je peux vraiment pas faire ça. S'il vous plaît, que tout le monde se calme. Tu as quelque chose à nous dire. Essaye de te calmer. Est-ce que tu as appelé le commissaire de police? Oui, chef. Bien. Mesdames, vous vous trouvez malheureusement dans le pétrin parce que le commissaire de police est déjà impliqué. Néanmoins, même si je me sens offensé et déçu de votre piètre comportement, et parce que je suis votre président, et par la grâce particulière de Dieu, membre de l'Assemblée nationale et du Parlement, je vais vous pardonner. Merci beaucoup. Merci. Plus tard dans la journée, Quincy vous apportera vos payes. Ok. Mais ça ne veut pas dire que le concerné restera impuni. Ah. Oui, elle doit être punie, afin qu'elle puisse tirer une leçon. Prochainement, tu n'essaieras pas une telle bêtise. Pardon. Et pour le reste... Vous pouvez vous en aller. Et pour votre information, vous restez jusqu'à ce que le commissaire de police et ses éléments arrivent. Excusez-moi. Me suis-je fait comprendre? Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas volé. Je sais. Le reste, allez-vous-en. Monsieur, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais volé de ma vie. Dégagez, monsieur. Je n'ai jamais volé. Voilà la fin. J'ai dit pour le reste, allez-vous-en. Monsieur, pardon. Enlève tes pattes sur moi. Je dis, partez toutes. Quincy, allez-vous-en. Foutez le camp. Madame, dégagez. Vous toutes, allez-vous-en. Partez. Oh, carotte, on va pas vous laisser. On va revenir. Quincy, surtout ne me mets pas en colère. Allez-vous-en. Je dis, partez. C'est pas moi. Putain, non. Partez, je dis, partez. C'est pas moi. Putain, je t'en prie. Cela te servira de leçon. Prochainement, tu ne seras plus une telle bêtise. Je n'ai pas volé l'argent. Je n'ai jamais volé l'argent. Toi, cette espèce de criminel. Tu crois que tu peux me berner? Moi? Comment oses-tu? Tu regretteras jamais cette bêtise que tu as commise aujourd'hui. Ça, je te le promets. S'il te plaît, cherche à savoir où ils sont maintenant. Voleuse. Allô? Allô, frère arabe? Non, je ne l'ai pas vue. Je suis inquiète. Parce que mon père va bientôt demander après elle.
Eh bien, je vais te faire une confidence. Je l'ai entendu dire à quelqu'un qu'elle ira à une fête. Non, je ne sais pas où. Oui, je l'ai entendu. Ok. D'accord, bye. Ok, j'attends. Allez, bébé, voyons. Pourquoi tu en fais toute une histoire? Une histoire, tu as dit. Bien sûr que j'en fais toute une histoire. Tu sais ce que ça fait d'avoir un homme qui est incapable de t'assister quand t'es dans la merde? Ça me montre une chose. Ça me montre le genre de relation dans laquelle je suis. Ça me montre que tu n'es pas digne de confiance. Voyons, bébé, j'espérais que jusqu'à ce point, tu comprendrais le type de business que nous faisons. Tu t'attends à ce que j'aille dans ce poste de police pour que j'aie des ennuis avec la police? C'est ça que tu veux? Tu as des amis que tu aurais pu envoyer. Lequel de mes amis je t'aurais envoyé? Lequel? Tu comprends donc pas que tous mes amis, presque tous mes amis font le même business que moi, bébé. Je m'attends à ce que tu comprennes cela. Je comprends. Maintenant, de grâce, laisse-moi tranquille. Oh, c'est pas vrai. Cynthia, ton téléphone. Arabe. Allô? Allô? Allô, Cynthia? C'est Arabe. Je sais, bonsoir. Oui, bonsoir, comment tu vas? Bien. J'ai appris que vous étiez sorti aujourd'hui. Oui. Oh. Et Boubé était avec vous? Oui. Elle y était? Oui. Et vous y êtes toujours? Non, je suis dans ma chambre. Ah, ok. Donc, elle est avec vous? Non. Tu peux avoir une idée de là où elle peut se trouver maintenant? Arabe, c'est moi qui devrais te demander cela. N'est-elle pas ta nouvelle copine? Ce n'est pas avec elle que tu te pavanes partout! Hey, Cynthia. Mais c'est quoi ce propos que tu m'avances là? Et pourquoi tu te vexes ainsi? Hein? Hey, écoute, Arabe. Je n'ai vraiment pas le temps pour tout ça, ok? Bonne nuit. Oh, allô? Allô? Ben, Cynthia, c'était pas vraiment cool. Hey. Vraiment? Chidera. Hé, Boubé. Hé, wo. Où est Boubé? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a toujours mal au bas-ventre? Maman, je ne sais pas où. Je ne lui ai pas demandé. De toute façon, j'irai la voir après la prière. Parlant de Boubé, j'ai eu une révélation inhabituelle à son sujet cet après-midi lorsque je faisais un somme. Je l'ai vu dans un trou. Une poubelle. Que Dieu l'en garde. Je ne sais pas trop ce qu'elle y faisait ou ce qu'elle cherchait. Mais je pouvais voir ses mains d'amour me demander de la secourir. J'ai essayé. J'ai tendu mes mains pour l'attirer en dehors du trou. Mais elle continuait de s'enfoncer dans le trou, rendant cela difficile pour que je puisse l'aider. Le diable est un menteur. Il l'est. J'ai eu à prier ardemment pour que ceci ne se produise pas.
Mais en tant que famille, faisons une prière de groupe. Ouais, levons-nous et commençons l'adoration. Et ensuite, on va prier. Ok. Tout plan de l'ennemi doit être réduit à néant. Amen. Amen. Chante. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Révolte! Tu es digne, Seigneur. Mon Dieu. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Oui, pardon, je t'en supplie au nom de Dieu. Rassure-toi que tu véhicules l'information parce que c'est très important pour se retrouver dans l'après-midi. Oui, comme Dieu le veut. Merci infiniment. S'il te plaît, fais-le. Hmm? Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, tout va bien, tout va bien. C'est bon. Ok. C'est d'accord. Non, on se porte bien, on se porte bien. Oh, bien, merci. Et que Dieu te bénisse. Bien sûr qu'on prie continuellement pour vous, oui. Merci. Papa, il y a une situation critique ici. Qu'y a-t-il? Eboubé. Eboubé n'est pas dans cette maison. En fait, elle n'a pas dormi ici la nuit dernière. De quoi parles-tu exactement? Que veux-tu dire par « elle n'a pas dormi ici » Où a-t-elle dormi? De toute évidence, elle est sortie et elle n'est pas encore entrée. Mais vous m'avez dit qu'elle était malade et qu'elle était dans sa chambre. Ça veut dire que vous n'êtes pas allé voir après la prière du soir. Si, je l'ai fait. Mais elle n'y était pas. Je ne t'ai rien dit parce que j'avais espoir qu'elle rentrerait. Bien sûr, comme d'habitude, toujours la couvrir. Tu vois exactement ce que je ne cesse de te reprocher. C'est exactement ce que je te reproche tout le temps. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît. Nous devons prier pour elle, pour sa protection, peu importe où elle se trouve. Au lieu de la blâmer, souviens-toi qu'elle ne se sentait pas bien hier lorsque nous l'avons laissée pour l'église. Et c'était la dernière fois que nous l'avons vue. Très bien. Mais je t'assure que ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour elle. C'est comme tu l'as dit, ce n'est pas le moment des reproches. Tu ferais mieux de commencer à appeler ses amis. Aïe! Ce que tu dis a du sens. Bébé, depuis la nuit dernière, je n'ai pas dormi. Je n'ai fait que penser, penser et repenser. Genre, je ne fais que repenser à tout ceci. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Arabe, ne te mets pas en colère. J'étais là quand tu l'as appelé et je n'ai pas aimé la manière dont elle t'a parlé. Je suis vraiment déçue d'elle. C'est trop lui demander de me répondre poliment. Hein? Non. Je suis vraiment désolée. La vérité est que nous étions chez le chef pour tenir compagnie à ses amis politiciens. Alors quelque chose s'est perdu, il y a eu vol de l'argent et des bijoux. Alors une fouille a été lancée. Et les choses volées ont été retrouvées dans le sac des bobés. Ah, t'es sérieuse? Je suis sérieuse. Mais elle n'a pas cessé de dire qu'elle ne savait pas comment c'est arrivé dans son sac. Je ne sais pas. Je vais te parler après. C'est bon. Bonjour. Et qu'est-ce qui est bon ce matin, dis-moi? Hein? Quand tu étais si désagréable hier nuit? Hein?
Je n'étais pas désagréable. J'ai juste dit la vérité. Ce qui veut dire... Est-ce un mensonge que tu te pavanes avec, Iboubé? Dis-moi la vérité. Je ne te suis pas. Ah, est-ce un crime de me montrer avec Iboubé? Hein? Pourquoi tu es si vénère comme si tu étais ma femme? Suis-je ton époux? Oh, donc, maintenant tu n'es plus mon époux, hein? Non, mais je te suis pas là. Suis-je ton époux? Hein? Attends que je mette des choses au clair avec toi. Hein? On a couché ensemble. Oh oui, je t'ai rencontré et je t'ai amené chez moi. Nous avons couché ensemble de façon consentante et payante parce que je t'ai payé pour cela, n'est-ce pas? T'as insisté que je te paie, c'est ce que j'ai fait. Alors pourquoi tu pleurniches? Et puis quoi si tu m'as payé? Non, et puis quoi? Je veux dire, je te l'ai donné comme tu le voulais. Alors j'ai été payé pour un travail bien fait. Je vois. Oh, est-ce qu'un homme paye sa femme pour coucher avec elle? Hein? Bah, je t'ai payé parce que t'as insisté. Ce qui a défini notre relation. T'as commencé à te rapprocher de moi et t'as couché avec presque tous mes amis. L'un après l'autre. Et tu te tiens là, tu me dis que je suis ton époux. Attends, dis-moi, je ne comprends pas. Est-ce que tu vas bien? S'il te plaît, sois sage. D'accord? Sois sage. Ok, c'est bon. Alors, je n'ai plus rien à faire à me tenir là et parler avec toi. Excuse-moi. Ah, vraiment? C'est une insulte ou quoi? Oh, la nuit dernière, tout ce que j'entendais, c'était Iboubé qui plaidait son innocence. C'est pourquoi j'ai fait appel à nous toutes pour qu'on en parle. Cynthia, on parlait de la situation d'Iboubé. On doit parler de ça. Je ne sais pas ce dont vous voulez parler. Mais ce que je sais, c'est que... elle n'aurait pas dû voler le chef et nous mettre toutes dans ce problème. N'eût été la façon avec laquelle Quincy a supplié, on serait toutes en prison en ce moment. Ça, c'est drôle. Parce que Iboubé n'est pas entrée dans la chambre avec nous. Donc, comment expliquer que les affaires qui se trouvaient dans la chambre se sont retrouvées dans son sac? Quelque chose cloche ici. Je ne pense pas qu'Iboubé ait volé cet argent tel qu'on l'accuse. Ça n'a pas de sens. Elle n'est pas entrée dans la chambre. Ses affaires ont été volées. Volées par quelqu'un qui était dans la pièce. Cette personne est dans cette pièce. Ce n'est pas Iboubé. Elle n'est pas entrée dans la chambre. J'utilise cette opportunité pour supplier, peu importe la personne qui l'a fait, de se dénoncer. Iboubé est une bonne fille. Elle ne mérite pas tout ce qu'on lui inflige actuellement dans cette cellule. Soyons humaines, bon sang. Et considérez au moins son père et son ministère. Non, elle ne savait pas que son père était pasteur quand elle venait avec nous. Hein? C'est bon. Peu importe la méthode que vous utiliserez pour trouver la bandite, je serai avec vous. Je parlais de ça plutôt avec Chacha. Chacha connaît un certain marabout.
Un homme Yoruba dont les pouvoirs mystiques peuvent dévoiler le coupable. On va l'appeler, le visiter et le faire venir ici. Hmm? Selon Chacha, la personne qui sera malheureusement coupable risque de devenir folle ou aveugle. Je suis prête. Moi également. Bien. On va tous y aller aussitôt qu'on fera cet appel. Est-ce que c'est clair? Je ne vais chez aucun baba praticien, moi. Mon esprit ne supporte pas cela. Ah, ma sœur, on y va tous, oh. On y va tous. Je crois juste que j'ai été claire. Je n'y vais pas. Je n'irai pas. Et point final. J'arrive. Oh, frère, bienvenue. Oui, comment tu vas? Je vais bien, merci. Ton père, est-ce qu'il est là? Oui. Peux-tu, s'il te plaît, l'appeler? C'est très important pour moi. Ok, d'accord. Je reviens. Merci. Quelqu'un cherche, est-ce que je le connais? Que peut-il avoir de si important? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je m'appelle Arabe. Arabe? Oui, le sobriquet d'Arabama. Et je suis membre de votre église. Toi? Oui. Je pense l'avoir déjà aperçu plus d'une fois. Oui. Oui, papa, je le connais à l'église. Ok, d'accord, je t'en prie. Assieds-toi, assieds-toi. Ok, assieds-toi. Alors. Monsieur, Eboubé, votre fille et moi sont des amis. Quel type d'amitié est-ce que tu entretiens avec ma fille parce que je Papa, s'il te plaît. Laisse-le parler. Laisse-le nous dire pourquoi il est ici. Laisse-le parler. Qu'est-ce que tu racontes? C'est bon, très bien. Vas-y, continue. Merci, monsieur. Eh bien, hier, j'ai constaté qu'Iboubé n'est pas venu au service de la semaine. Donc, j'ai dû l'appeler, mais son téléphone ne passait pas. Même ce matin, j'ai essayé, mais ça n'aboutissait toujours pas. Donc, j'ai dû appeler son amie, qui m'a dit qu'elles sont sorties, qu'elles sont allées à une fête. Ah oui. Hein? Oui, chez le gouverneur de l'État, Donogu. Qu'est-ce que... Tu m'as pourtant bien dit qu'elle avait mal au ventre. Mm-hmm. Donc, tu l'as couverte pour qu'elle aille à une fête. Dieu m'en garde. Je ne l'ai pas fait. S'il te plaît. Où est-elle maintenant? Que lui est-il arrivé? Eh bien, il y a eu un problème. De l'argent et des bijoux ont disparu à cette fête. Puis a suivi une fouille et ces objets se sont retrouvés dans le sac d'Eboubé. Jésus-Christ! Jésus-Christ! Ensuite, on l'a arrêté. Yeah? Oui, elle est au poste de police actuellement. J'ai fait tout ce que je pouvais pour savoir si... Je pouvais la faire sortir, mais ils ne l'ont pas permis. Ils m'ont demandé d'aller à la rencontre du gouverneur d'Inigo. Donc je ne sais pas si vous pouvez m'accompagner au poste de police et voir s'il peut accepter de vous la libérer. Ou vous pensez qu'on devrait rencontrer le gouverneur d'abord? Yeah! Hey, oh. Tout ça, ce n'est pas bon du tout. Vanity. It's one idiot to
shame your blood to the family. Because of it, bébé. Oui, ma puce. Où est Bridget? Elle doit être dans sa chambre. Oh, voyons, quelle sorte est qu'on y agite pour rentrer tôt. Bridget? 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 Ma puce, Bridget n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore prête tôt. Appelle-la, s'il te plaît. Elle devrait être prête maintenant. Bridget, sors, voyons. Qu'on puisse y aller et rentrer à temps. Alors. T'es prête, hein? Viens, voyons. Ah. Tu n'es pas prête? On n'a pas besoin d'y aller. Quoi? Tu blagues ou quoi? Pourquoi? Parce que je sais comment est-ce que ces effets sont entrés dans le sac des boubées. Hein? Tu le sais? Oui. Comme Sharon l'a dit, je ne dors pas. Je n'entends qu'Iboubé crier pitié pour son innocence. Je sais que je ne suis pas une bonne personne, mais au moins je prie chaque matin et soir. Toute cette nuit, je n'ai pas été capable de prier à cause des remords. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas nécessaire d'y aller. Ah. Cydia a mis ses effets dans le sac d'Iboubé. Je t'ai vu. Tu vas te taire et dis ce que tu sais. Je t'ai vu. Mais tais-toi. Comment oses-tu? Je l'ai vu. Allez-y. Mon Dieu. Hey. S'il vous plaît. Voilà les toilettes. Ah, ok. Oh, s'il vous plaît, je vais vérifier. Hey. Bébé, tu vois, c'est bichu. J'aimerais me coucher sur ce genre de lit. T'aimes trop le lit, espèce de prostituée. Hey! C'est bon, mesdames. Ok, j'y vais en première. Ok. Mon Dieu. C'est bien. C'est du bon. Du lit à sa chaise. Ouais. Et j'aime cet endroit. J'y vais. Vas-y. Hey! J'arrive, viens. Okay. Ok. Regarde cette maison. Écoute sa voix, je reviens. Elle est très bizarre. Le comportement. Je crois que je... Ma belle, ma puce, qu'est-ce qu'on dit? Hein? T'es à la Prestora? Tu t'es en poste? Hein? L'argent est bien haut, si tu vois où nous sommes. Dis, tu as déjà vu un chien? L'argent est bien. Aïe, je t'assure. Ne t'inquiète pas, je te reviens. Non, mais... Ok. Ah non, non, non. Je te reviens plus tard. Ah non. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ok, oh. Je veux uriner. Je finis d'uriner, on se rappelle. Nous sommes ensemble. Regarde ça. Hey. Ça, c'est une maison haut. Mesdames, après vous. Elle y est encore. Hey, ma sœur, j'aime cet endroit. Hey. Magnifique. Les toilettes sont trop chic. On y va. On y va.
Sérieux? Voilà ce qui s'est passé. Et j'ai essayé par tous les moyens et tous les styles pour la mener à avouer. Elle ne l'a pas fait. Alors j'ai décidé de dire la vérité pour laver ma conscience. Ah. Cynthia! Cynthia! Oui, je l'ai fait. Yeah. J'ai pris ces choses pour me venger de ce vaurien de président. De quoi parle l'auteur? Qu'est-ce qu'elle va insinuer? Il y a quelques années, avant qu'il ne devienne gouverneur, il m'avait prise en voiture. Et on avait négocié pour passer la nuit. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, il a appelé deux de ses amis de nous rejoindre. J'ai refusé. Oui, je l'ai fait. Mais ils ont abusé de moi. Chacun à son tour m'a sodomisé. Hey! Non. Jésus. Ils ont détruit mon derrière. Savez-vous ce que j'ai enduré? Vous savez ce que j'ai dépensé pour me traiter? Et alors, cette nuit, il m'a vu et a fait semblant de ne pas me reconnaître. Dieu le punira! Dieu le punira pour tout ce qu'il m'a fait! Il ne restera pas impuni! Cynthia, je suis désolée. Mais pourquoi impliquer la pauvre Iboubi? Parce que je lui en veux de m'avoir piqué mon mec arabe! Alors je me suis dit que si on devrait découvrir ces objets volés, il devrait les retrouver sur elle. Petite amie, elle a dit, oh, c'est moi qui l'imagine. C'est ce qu'elle a mentionné. Elle l'a dit. Attends une minute. Les prostituées ont des copains. Comment est-ce qu'Arabe soit ton copain? Quelqu'un qui a couché avec toi. En plus du fait qu'il t'a recommandé à ses amis. Qui ont également couché avec toi. Comment peut-il être ton copain? Je veux dire, penser qu'un homme pareil pourrait te considérer. Tu as fait ceci à Iboubi à cause d'un homme. Un homme qui n'est pas le tien. C'est vraiment injuste. Je suis désolée, je me sens mal pour l'histoire que tu viens juste de raconter, mais Iboubi est une fille décente. Elle ne mérite pas ça. Elle sort avec nous juste pour le peu d'argent qu'elle y gagne. Mais elle n'est pas impliquée dans les sales choses que nous faisons. Je veux dire, lorsqu'il s'agit de sexe et tout ce qui va avec, eh bien, elle s'enfuit. Et tu lui as fait ça. Oh mon Dieu, je suis déçue. Sans voix. Cynthia, c'est tellement injuste et méchant de ta part. Voyons, bébé, comment penses-tu que cette fille va se sentir et être traitée dans cette cellule? Demande-le lui. Ces policiers vont la malmener et la mater très agréablement. Voyons! Laisse l'autre là. Nous savons tous que son père va la déshonorer. Vous savez que cet homme est un fervent homme de Dieu. N'essaye même pas, oh. Pardon. Rien. Elle est à genoux. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je m'excuse de vous avoir toute mise aussi mal à l'aise. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne l'ai pas fait sciemment. Pardon. En ce qui concerne les bébés,
J'irai voir le gouverneur et avouer que j'ai volé ces objets. Et le supplier de la relâcher. Mais s'il vous plaît, les filles, pardonnez-moi. Je suis désolée. Pardon. Tu as vraiment merdé cette fois. Ah, homme de Dieu. Gouverneur, soyez la bienvenue. J'apprécie. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Eh bien, c'est une visite surprise. Oui. J'étais sur le point de sortir. Mais maintenant que vous êtes là, je pense que je dois vous recevoir avant que je ne parte. J'apprécie vraiment. Soyez la bienvenue une fois de plus. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Monsieur le gouverneur, j'ai appris que certaines filles étaient conviées à votre fête ici hier soir. Oh oui. Et elles t'ont volé. Exactement. Pendant qu'on parle, la coupable est actuellement au poste de police. Je devais lui donner une leçon pour qu'elle puisse servir d'exemple aux autres mécréantes. Mais homme de Dieu, est-ce qu'il y a un souci? Monsieur le gouverneur, la voleuse n'est autre que ma fille Eboubé. Attendez une minute. Oui, gouverneur. Vous voulez dire que cette fille est votre fille? Mais, homme de Dieu, qu'est-ce que votre fille fait avec? J'admire vraiment ton courage d'aller te dénoncer. Je veux dire, tu es brave. C'est un bel acte et je suis fière de toi. Je le suis. Le courage de vouloir te confesser auprès du gouverneur. Tu sais, tu es brave, ma belle. Il doit savoir que c'est toi qui as pris les bijoux et l'argent. Tu fais le bon choix, il faut que tu le saches. Merci de m'encourager. Merci. Je t'en prie. Attends. Bridget veut venir avec toi. Elle m'a demandé de te dire d'attendre. Oh, vraiment? Elle ne m'a pas dit. Ah, joli bébé. Oui. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Bienvenue. Merci. Ça fait du bien de vous voir. Quoi de neuf? Tout se passe, ma belle. Vous sortez? Non, moi non, mais elle si. Kyo sait bien que tu sois là. Je veux dire, c'est une aubaine de pouvoir s'excuser auprès de toi pour ce qui s'est passé dans la maison du gouverneur. Je suis vraiment, vraiment désolée pour ça. Vraiment désolée. C'était très embarrassant. C'est bon. C'est tout oublié. Ouais. Alors, quoi qu'il en soit, c'était la situation après une autre tournure. On t'a appelé, mais tu étais injoignable. Cynthia. Cynthia est en route pour la maison du gouverneur. Elle veut s'excuser pour les objets perdus, mais retrouvés. Elle les a pris. Quoi? Elle l'a fait pour se venger pour ce que le gouverneur lui a fait il y a de cela quelques années. Attends, tu veux dire que la fille du pasteur ne laisse pas voler? Non. Oh. La pauvre, elle a vraiment souffert sous ses barreaux. Je sais. C'est pourquoi je me dénonce, pour qu'elle puisse être libérée.
Au point où j'en suis, je me fiche si le chef me fait enfermer ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, je m'occuperai de lui. Eh bien, j'admets ton courage de l'affronter. Mais la bonne nouvelle, c'est que elle a été relâchée. Oh, waouh, pour de vrai? Oui, pour de vrai. Ses parents sont allés voir le chief et apparemment, ils se connaissent très bien. Donc, il a demandé qu'on la libère. Oh, merci, Seigneur. Dieu, merci. Et Cynthia, je pense que tu devrais l'appeler. Oui, il doit le savoir. Cet homme est vraiment méchant. Et beaucoup de personnes lui en veulent vraiment. Mais la bonne nouvelle est que... il m'a remise votre paye. Wow! Tu es sérieuse? Votre agent est là, mes chéris. Ah. Entre. Vas-y, entre. Maintenant, tu parles bien. Viens nous expliquer. Que veulent les filles? Les filles veulent la, les voix, filles veulent la voix du fric. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît, me tourne pas le dos. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je n'ai pas volé cet argent. Je ne l'ai pas pris. Maman, je n'ai pas volé cet argent. Je n'ai jamais volé de ma vie. Hé, boubée. Je comprends la posture de ton père. Ce que tu as fait est comme verser de la boue sur lui, ainsi que toute la famille. Et je ne parle pas de l'Église et du Christ lui-même. Hein? Où est l'éducation que nous t'avons donnée? Je l'ai avec moi. Tu l'as avec toi. J'en doute. Et Boubé Choukou, où me suis-je trompé? Où me suis-je trompé en t'élevant comme la fille d'un pasteur et comme une chrétienne? Je ne sais pas. Quand tu étais petite, précisément à tes 5 ans, je te faisais asseoir sur mes cuisses et je t'enseignais la Bible. Et quand tu as eu 12 ans, tu pouvais déjà réciter tous les versets des psaumes. Comment est-ce que le diable a-t-il pu, au point où il n'a pas seulement fait de toi une prostituée, mais aussi une garce continentale et une voleuse? Papa, je ne suis pas une prostituée. Pardon, Seigneur, prends pitié de moi. Papa, je ne suis pas une prostituée. Ce n'est pas ce genre d'enfant que je voulais. Je ne suis pas une prostituée. Papa, je t'en prie, je ne suis pas une prostituée. Maman, ce n'est pas une prostituée. Elle n'est pas une prostituée, mais elle va à des fêtes habillée comme ça. Et ce n'est pas une prostituée. Je les accompagne, je ne suis pas une prostituée. Eh bébé, c'est bon, moi je te crois. Je ne les accompagne pas. Juste, je ne suis pas une prostituée. Allô? Allô, Chief. Allô? J'aurais aimé venir chez toi, te regarder en face et te dire le fond de ma pensée. Mais les événements ont tout changé. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Oh, ce n'est pas important. Qui est-ce, je vous en prie? Pourrais-je savoir à qui je suis en train de parler? Tout ce que tu dois savoir, c'est que je suis l'une des filles de la fête d'hier. Et que la fille du pasteur n'avait rien fait. C'était moi. Quoi? Attendez une minute. Vous voulez dire que c'est vous qui avez volé mon argent? Et vous avez l'audace, le culot et la témérité de m'appeler et de me dire que c'est vous qui avez volé mon argent? Maintenant, écoutez-moi. En ce qui me concerne, moi, vos jours dans cette ville sont... Tu vas la fermer et m'écouter. Tais-toi. Tu viens tout juste de me dire de me taire? Et maintenant, je te demande, monsieur le gouverneur, que me feras-tu? Envoyer tes gars ou la police m'arrêter. Est-ce une nouveauté, hein? Est-ce aujourd'hui que les poules pondent des œufs? Est-ce aujourd'hui? Mon ami, tu la fermes et tu m'écoutes. Je ne suis pas une voleuse. J'ai pris ces choses pour me venger de ce que tu m'as fait il y a exactement 5 ans de cela. Et je dois dire que tu es chanceux que ce ne soit que tes bijoux et ton argent que j'ai pris.
Et si j'étais venue te tuer? Hein? Tu vois, monsieur le gouverneur, ce monde est en effet très petit et nul ne peut se cacher. Eh bien, est-ce que tu peux te calmer et m'écouter? S'il te plaît, je... Que t'ai-je fait exactement il y a cela 5 ans? Est-ce que je... ne penses-tu pas que tu es en train de me confondre à un autre? Si vous n'êtes pas Alphonsus Maduka Mbono, natif d'Ouzouani, alors je dirais que je suis désolée. Mais si c'est toi, j'aimerais que tu la boucles et tu m'écoutes, que tu m'écoutes attentivement. Chérie, s'il te plaît, regarde qui c'est à la porte. Ah, monsieur le gouverneur. Bonjour, ah, madame. Cynthia. Bonjour, après-midi. Madame. Je vous en prie, entrez. Monsieur le gouverneur. Homme de Dieu. Quel plaisir immense de vous voir. Ça, c'est bon de vous revoir, monsieur. C'est un honneur, je vous en prie, asseyez-vous. Oh, merci, monsieur. Bon après-midi, pasteur. Bon après-midi, ma chère. Homme de Dieu. Je dirais que c'est mon tour de vous rendre une visite surprise. Actuellement, nous sommes là pour voir votre fille, Eboubé. Eboubé? S'il te plaît, appelle Eboubé. Oui. Monsieur le gouverneur, j'espère qu'il n'y a aucun problème. Non, pas du tout, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Tout va très bien. Gloire à Dieu. Oui. Gloire à Dieu, elle sera là dans un... Oh. La voici. Chérie, allez, viens, prends place. Eh bien, homme de Dieu, nous sommes ici pour nous excuser par rapport à l'incident qui a suivi par l'arrestation de votre fille et de sa détention au poste de police la fois dernière. Vous voulez dire qu'elle n'a pas volé votre argent? En effet, non, elle ne l'a pas fait. L'argent et les bijoux ont été pris par quelqu'un d'autre pour un but. Mmh. Oui. Eboubé, j'ai pris ces objets. Je les ai pris pour une raison. Mmh? Oui. Je suis navrée de ne m'être pas dénoncée durant la fouille. Je suis vraiment désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée, monsieur. Cynthia. Désolée. Homme de Dieu, je vous en prie, nous sommes désolés. Monsieur le gouverneur, pourquoi n'a-t-elle pas été arrêtée et emprisonnée? Je connais cette fille, Ekitos, et sa famille très bien. C'est une prostituée certifiée. Même si elle porte le nom de Cynthia, c'est ma fille que je blâme. Et je continue de la blâmer. Je lui ai demandé de s'éloigner de cette fille. Il n'existe pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Mais elle ne m'a pas écouté. Ekitos, si je suis homme de Dieu et envoyé de Dieu, si tu ne rétrogrades pas et ne laisses pas cette vie de prostitution, tu vas finir de façon très misérable, je t'assure. Aussi vrai que je suis un homme de Dieu, retiens ces paroles. Pourquoi ne laisses-tu pas le chef nous dire pourquoi ils sont ici? Justement, homme de Dieu. Une fois de plus, nous sommes vraiment désolés. Je comprends vraiment votre douleur. Cependant, il en demeure que vous êtes un homme de Dieu. La représentation de Dieu que nous avons ici sur Terre. À partir du pupitre, tu nous prêches beaucoup de la repentance et du pardon des péchés. Il est dit que même quand nos péchés seront noirs comme le cramoisi, que nous devons venir et que Dieu nous lavera et nous serons aussi blancs que la neige. C'est ce que tu nous dis chaque jour. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous sommes ici, pour demander pardon à votre fille Eboubé. Et à vous, ses parents, le fait est déjà fait, s'il vous plaît. Trouvez une place dans votre cœur pour nous pardonner.
S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez, eh bien, pasteur, je voudrais dire ceci. Ne faites pas ça, de gouverneur. Pour la punition imméritée que tu as subie, au poste de police, je t'en prie, prends ceci. Il te donne de l'argent. Prends-le. Prends ceci. Vas-y, prends cet argent, voyons. Il te le donne. Ce ne sera pas nécessaire. Tout ce qu'elle a pu endurer là-bas au poste de police, elle l'a mérité. C'est une punition pour avoir été présente où elle ne devait pas être. C'est bon. Ça vient sincèrement du fond de mon cœur, s'il vous plaît, homme de Dieu. Je sais. Je sais. Au nom de toute ma famille, nous acceptons vos excuses. Et nous apprécions. Oui, nous apprécions. Merci infiniment. Merci, 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 merci infiniment. Beaucoup. Je pense que nous pouvons déjà partir. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Viens. Faites bonne route. Et Boubé. Merci, homme de Dieu. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. Et Boubé, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Écoutez. Oh. Tu n'as peut-être pas volé, mais tu t'es prostituée. Comment as-tu pu demander à ta fille de prendre cet argent sans discerner que cet argent est sans doute le salaire de sa prostitution? Hein? C'est ainsi que ces hommes politiques passent leur temps à dévergonder les jeunes en les achetant simplement avec l'argent du peuple, poussant les jeunes filles de plus en plus à la perdition. Le jugement de Dieu les attend tous, autant qu'ils sont. Viens là. Tidera. Frère. On se voit dimanche, n'est-ce pas? Ok. Une agréable journée. À toi, ton frère arabe. Que Dieu te bénisse. Il te bénisse également. Bye. Pourquoi ne prends-tu pas mes appels? Je t'ai appelé plusieurs fois et je t'ai écrit. Tu n'as répondu ni aux appels, ni aux messages. Pourquoi? Oh oui. Parce que je n'ai rien à te dire. Ah oui. T'es dans ma voiture parce que je devais ramener une bonne fille chez elle. Tidera, ta sœur. Maintenant que nous sommes là, elle est à l'extérieur. Peux-tu s'il te plaît la rejoindre? C'est bon? S'il te plaît, ne fais pas ça. Mon père et ma mère et certains membres de l'église ne me parlent pas. C'est suffisant. Je suis pas si mauvaise qu'ils veulent le faire croire. Je déteste les hypocrites. Oh oui, je les déteste. Et Boubé, je te connaissais comme une bonne fille. Une fille innocente qui m'a renoué avec mon Créateur, qui m'a ramené plus près de Dieu. Tu n'es plus les Boubé que j'ai connus. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Hein? Ok, je comprends que c'est pas toi qui es volé. Mais pourquoi tu t'es rapproché d'eux? Pourquoi t'es sorti avec ces filles? Pourquoi? Je suis une femme. Je suis une femme avec des besoins. Mon père est juste un pasteur qui ne fait pas de compromis. Il dépend juste de son salaire. Et son salaire n'est pas assez pour moi. Je ne me souille pas les mains. J'y vais juste pour l'argent que me donne pour ma présence. Je ne fais rien d'autre. Attends, tu penses que je suis un gamin? Oh, dis-moi, tu penses que je porte des couches, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire quelque chose. Tu te rappelles que tu m'avais dit que la lumière et les ténèbres n'ont rien à voir ensemble, n'est-ce pas? Est-ce que tu as oublié cela? Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu passes ton temps à traîner avec le diable pour de l'argent. Écoute, t'as pas de justificatif pour ça, t'as pas de raison. Donc, s'il te plaît, descends de ma voiture. À l'instant, s'il te plaît.
Arrête, je suis désolée. J'ai demandé de descendre ma voiture. S'il te plaît. Ne fais pas attendre, Chidira. S'il te plaît. Allez, sors. Je suis vraiment désolée, je... Dégage. Hé, hey, bébé, allez, s'il te plaît, je t'en prie. S'il te plaît. On peut arrêter cette dispute, s'il te plaît. Je t'en prie. Voyons, bébé, c'est à toi que je parle. Tu me parles? Ouais. Qu'est-ce que je suis pour toi, hein? Rien. C'est la réponse. Je ne suis qu'une pauvre réceptionniste et une pauvre fille avec laquelle tu couches. Celle pour qui tu ne risqueras rien pour l'aider. Oh, quand elle est dans le besoin. Voyons, bébé, raisonne pas comme ça. Ça a l'air d'être terrible. C'est atroce. Ok, écoute. Je suis désolé, d'accord? Je t'en prie. Pardonne-moi. Allez, je t'en prie. Et tu sais que ton anniversaire arrive la semaine prochaine. On va pas passer ces moments dans cet état. Allez, voyons, bébé, c'est à toi que je parle. Ok, tu sais quoi? J'ai une idée. La semaine prochaine, c'est ton anniv. Célébrons cela. Une grande fête qui te permettra à toi et à tes amis d'oublier l'incident de la semaine passée. Qu'est-ce que t'en dis? T'en dis quoi? Voyons, bébé. Je déteste quand tu essaies de m'avoir comme ça. De toutes les façons, j'ai pas assez d'argent pour élaborer une telle fête. À quoi est-ce que je te sers alors? Bébé, je vais tout sponsoriser. Tu m'as bien entendu. Absolument tout. Tout ce que tu voudras pour ton anniv. Piccolo s'en chargera du moment où ça te rend heureuse. D'accord? Vraiment? Viens là. Voilà. Merci. Le sourire que je voulais. C'est ça que je cherchais. Tu m'as fait peur, tu sais. Allez, viens là. Viens. Oh, mon Dieu. Quelque chose se prépare. Oh, vous serez surprise. C'est facile. Quelque chose de grand se prépare. Devinez quoi? Dis-nous vite de quoi il s'agit. Je sais de quoi il s'agit. Tu connais? Je sais aussi. Ah. Je ne sais pas où. Beaucoup de je sais. Comment?
Nous y étions en train de parler. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi me faites-vous ça? Vous me laissez de côté. Que se passe-t-il? Dis-le. Dites-moi si vous... Oh, vous pensez que je vais vous donner de bonnes nouvelles comme ça? Ton jour... Ah, tu le sais. Ton fin de jour. Allez, les pauvres. Mon anniversaire. Attends. Oui, comme vous le savez, mon anniversaire, c'est dans quelques jours. Mm-hmm. Mais ça, ce n'est pas la grande nouvelle. La grande nouvelle, c'est que... Parce que c'est mon anniversaire. On fera une fête ici. Oui. Une fête à la maison. On va célébrer mon anniversaire. Mm-hmm. Vous savez pourquoi? Parce que mon homme me prend en charge et il fera tout. Il sponsorise mon anniversaire. Hey. Wow. Et ça promet d'être grandiose. Mm. Je veux dire, des hommes friqués seront ici. Wow. Et ils vont déverser ce fric sur vous. Mm. Et ils vont le faire pleuvoir comme la pluie. Mm. Et vous savez toutes que c'est cette vie-là qu'on veut. Uh-huh. Après tout, que veulent les filles? Elles veulent se faire du fric. C'est pour que veulent les filles? Elle vit de faire du fric. Le jour de mon anniversaire, les filles auront beaucoup de fric. Mm-hmm. Beaucoup de mecs qui ont cet argent. Mm-hmm. J'ai tellement hâte. Vous aussi? Et aussi, je me dis, je veux qu'on s'habille. Je ne pense pas. Je veux qu'on s'habille de façon identique. Wow. C'est juste un concept que j'ai dans ma tête. Je veux dire, de jolies filles habillées pareillement. Même couleur, même design, comme des jumelles en quelque sorte. Ça sera sexy, vous verrez. Et ne vous inquiétez pas pour les sous. Tout est bon, les filles. Ah. C'est tout réglé. Caro, les filles. Caro, la présidente. Les filles, oyez. Les filles, oyez. Les filles, oyez. C'est moi, les filles. Hey. Bombasse. Hey. Je te suspecte. Laisse-moi. Du lourd, les meufs. Frère Mathieu peut être très drôle des fois. Il m'a dit qu'il sera à l'église et il priera jusqu'à ce que le service de la semaine commence. Je te le dis. Tu sais que ces gens, l'Esprit Saint, les tient. Oui, c'est vrai, l'Église progresse. C'est ça. Je leur ai bien sûr dit que ce n'est pas quand tu... C'est ce jeune homme qui voudrait vous voir. Il dit que vous lui avez donné votre adresse, mais vous ne savez pas qu'il venait. Wow. Salut. Salut, la plus belle des créatures. Te souviens-tu de moi? Non, s'il te plaît, rappelle-moi. Ouais. Une vieille voiture, tu t'en rends compte? Elle est partie. La voiture est même partie.
cache une voiture. Mais... Ah, ce n'est pas facile, oh. Je t'assure. Le G-wagon doit passer, oh. Je t'assure. Nae, Caro. Un, deux. Allons-y, allons-y, allons-y. Allez. Il n'y a que des motos par-ci. Dégage. T'inquiète, ça arrive. Caro, je suis épuisée, je te jure. Je n'en peux plus. Aucune voiture ne passe. Caro, n'es-tu pas fatiguée? Restez concentrés, concentrés, concentrez-vous. Qu'est-ce que c'est? Une voiture? Une si vieille moto. Pitié, non, mais c'est une blague. Relax, les filles, ça va ils marcher. Ne viennent pas. Encore un peu de patience. Plus de pitié. J'étouffe là. Oui. Quelqu'un approche. Une voiture. Non, elle est partie. Un, deux, un. Ah, c'est vraiment chaud. Dans toutes ces maisons. On s'arrange. Personne, on s'arrange. Je suis bien, non? Oh mec, quelle fesse! T'as vu son poster? Je te jure. Mec. Oh, putain, mademoiselle. Je dois aller parler à l'une de ces filles. J'ai confiance. Allez, va leur parler. Mon Dieu. Allons-y. Oh putain. Allez, je me lance. Salut les filles. Salut. Salut. Enchanté de te connaître. J'ai confiance en ce mec. Ah. Est-ce que y a-t-il un problème? Rien de sérieux, juste ma cheville. Désolé. En fait, je m'appelle Benson. Moi, c'est Cynthia. Enchanté de te connaître. Si tu veux, je peux te déposer. Oh non, c'est pas la peine. Rien de grave. Vraiment? Ouais. Tout va bien? Ça va. Ok, puis-je avoir ton numéro, est-ce possible? Ouais. D'accord, je note. 070. 070. 5252. 55. 77. Cynthia. Merci. D'accord. Tu es très belle. Merci. Tu es sexy. Merci. D'accord, prends soin de toi. Oh, oh. Ah, ce jour, c'est toi? Ouais. Oh. Je t'ai appelé ce jour et tu m'as donné ton adresse. Tu te souviens? Bien sûr, je m'en souviens. Ok. Mais c'était il y a de cela 2 mois lorsqu'on venait d'aménager ici. Oh. Quoi de neuf? Où étais-tu? Je suis retourné au Canada. C'est là-bas que je réside. Mais je fais mes business ici au Nigeria. Donc je suis soit là-bas ou ici. Et qu'en est-il de toi? Que fais-tu dans la vie? Je travaille dans une microfinance, mais on a fait faillite après le Covid. Donc actuellement, je suis juste sur le marché, ouais. Oh, désolé de l'entendre. Oh, ça va. Oh, alors on peut se voir plus tard dans l'après-midi. Est-ce possible? Ça ne me dérange pas si tu viens avec une amie. Mon ami Greg sera là et je ne sais pas si tu as une amie qui pourra nous rejoindre. Bien sûr, c'est bon. Je veux dire, ça promet être amusant. D'accord. On se dit à plus tard. Ok, j'espère te revoir. Bien sûr. D'accord, prends soin de toi, ok? Toi également. Ok, bye. À plus.
Allô? Allô, Cynthia? Allô, Eboubé? Cynthia, j'ai un problème. Qu'y a-t-il? Ah, Cynthia, je crois que je suis enceinte. Quoi? Ah, comment le sais-tu? Je ne cesse de vomir. Et aussi que j'ai de la fièvre le matin. Tout mon corps est faible. C'est comme si je... Ah, ce ne sont pas là les symptômes d'une grossesse? Ah, voyons, bébé. Ce sont juste des symptômes, ok? Ça pourrait être le paludisme, la typhoïde ou l'une de ces maladies. Ok, fais d'abord un test de grossesse. Si les résultats sont positifs, ma sœur, avorte immédiatement avant que tes parents ne le découvrent. Quoi? Avorter? Pourquoi veux-tu que j'avorte? Je ne peux pas faire ça! C'est mal! C'est déjà assez mal que je sois enceinte. Et tu veux que j'avorte? Je ne peux pas faire ça, je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce que je... S'il te plaît, je ne peux pas faire une chose pareille, tu le sais déjà. Je ne peux pas. Calme-toi, ok? Commence par faire un test et on verra. Je voulais faire un test, mais ma mère a insisté qu'elle ira avec moi ce soir. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Elle va... Oui. Ok, c'est bon. Juste tiens-moi informée. J'attends ton retour, ok? Mais calme-toi, tout ira bien, ok? Tu me demandes de me calmer? Ok. Ok. Bye, bye. D'accord, bye. Elle m'a demandé de me calmer. Oh Seigneur, aidez-moi. Seigneur, aidez-moi. Je ne le ferai plus si c'est négatif. Je ne vais même plus y aller dans un endroit qui me mettrait dans de tels problèmes. Oh. Et tu vois, dans le livre de Marc, ma fille, écoute très bien. Il dit ceci, écoute très bien. Jésus leur dit que le plus grand cadeau sur cette terre, c'est de s'aimer. Vas-y, entre. Les autres. Maman, bienvenue. Merci, ma chérie. Nous avons effectué un test de grossesse à Eboubé. Les résultats sont positifs. Quoi? Eboubé est enceinte. Elle est à son deuxième. Jésus-Christ! Eboubé, tu es enceinte? Je n'arrive pas à y croire. Seigneur! Ce dont je me plaignais exactement, n'est-ce pas ça qui est arrivé? Ah. Tu as passé ton temps à la couvrir, en disant que nous devons la laisser s'exprimer. Chaque fois, tu disais que je suis trop vieux jeu et trop dur envers elle. T'es contente? T'es contente maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? En ce qui te concerne, Eboubé, c'est la dernière fois que je t'appelle ainsi. Ah. Papa, s'il te plaît. Tu cesses d'être appelé mon enfant. Papa, pardonne-moi, pardon. Chérie, pitié, papa, s'il te plaît, pardonne-lui. Hein? Tu comme, sais qu'elle... Comme je pose mes yeux sur toi, lève-toi et sors d'ici. Tu avais ton menteur. Chérie, s'il te plaît, je t'en prie. Elle n'a nulle part où elle est. Tout se fait ça. Je serai qu'une menteuse. Toutes ces fois où elle est sortie en cachette, le où est-ce qu'elle allait? Je t'en supplie. Elle sait très bien où elle allait. Je t'en supplie, s'il te plaît. Le diable j'ai dit quitte ma maison. J'ai dit quitte ma maison maintenant. Toutes ces fois où elle sortait en douce, dans la nuit, et en cachette. Où est-ce qu'il allait? Papa, voyons. J'ai dit qu'elle s'en aille de cette maison maintenant, avant que je ne fasse quelque chose qu'on va tous regretter. À compter d'aujourd'hui, tu cesses d'être ma fille. Hé! Je t'en supplie. Allez, sors de chez moi. Merci. Tu es vraiment super. Je te l'assure. Vraiment? Écoute, tu es très belle. Oh, arrête. Tu es tellement sexy. C'est vrai. Tu vois, moi, je n'en doute pas. Moi, je dirais plutôt 20. Pourquoi? Je tu vas aimer ma façon de me user. Je te l'assure. Je ne sais pas comment te dire ça autrement.
Qu'est-ce que tu crois? Tu es un vilain garçon. Tu sais, tu es vraiment une très belle femme. Sans doute. C'est la vérité. C'est ma façon de faire les choses. Je suis vraiment désolé d'interrompre ce moment très agréable. Ah, Mopole, c'est quoi une atteignable ambiance encore? Bébé, il n'a pas dit atteignable, mais agréable. Ah. Qui décrit l'instant incroyable que nous passons. Très drôle. Il y a une demoiselle dehors qui voudrait vous voir. Elle dit qu'elle s'appelle Eboubé, et on dirait qu'elle est en train de pleurer. Eboubé? Oui. Demande-lui d'entrer, qu'elle entre. J'espère que tout va bien. Je ne sais pas. Est-ce que ça va? Ouais, ça va, ça va. Je crois qu'on devrait s'en aller. Ok. T'inquiète pas, à très bientôt. Ok. Bonne journée. Ok. Merci de nous avoir reçus. Merci d'être venu. Allez, merci de la journée. Merci okay. Pour le dîner. Bye bye. D'accord. La musique. Merci. Merci, les gars. Merci. Bye. On se revoit plus tard. Bye. Ok. Merci. Passez une bonne journée. D'accord, toi aussi. Prenez soin de vous. Pourquoi pleurer? Bébé, qu'est-ce ma chérie, pourquoi pleures-tu? Que s'est-il passé? J'ai un rêve. S'il te plaît, parle pour qu'on puisse rire. Non, calme-toi. Arrête de pleurer. Je... Hey. Chidera, je n'arrive pas à dormir en sachant que ma fille est là dehors en pleine nuit. If guess wanna make money, guess wanna make money, guess wanna make money, guess wanna make money, if guess wanna make money. Guess wanna make money. Guess wanna make money. Guess wanna make money. If guess wanna make money. Guess wanna make money. Guess wanna make money. Guess wanna make money. Plenty money. And your father echo. They wanna make it big. By all means. Yeah. Big guess for the money. Gilead not for them. Fadi Kwasha. Ready for the money, full-time manager. Whatever, she's a wrong girl in a lucky. Whatever, she's a full-time manager. Whatever, she's a wrong girl in a lucky. Whatever, she's a money, money, money. We are this game to make money. Money, money, money. We are this game to make money. Take a walk. We are this game to make money. Bring your conditions. We are this game to make money. Tickets are ready. We are this game to make money. They are ever ready. We are this game to make money. Woo! Their level have changed. We have money there. That day you go see them. Oh, gang. We have money there. Gang. That day you go see my girls. Gang. Come on, look up.
No time to die, no death in the stain.